Yo les gars et les maps, c'est Terre et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo les gars, je vais pas vous mentir que vous m'avez énormément manqué sur YouTube. Ça faisait quand même une semaine que j'ai pas sorti de vidéo. Et je me suis dit, pour une vidéo sympatoche pour mes très chers abonnés, je vais regarder un petit peu dans mes sondages. Une vidéo build que j'avais potentiellement dû le faire plus tôt, mais avec le manque de temps et avec surtout avec l'actualité, je n'ai pas pu le faire. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas le faire pour faire plaisir à certains d'entre vous qui jouent par exemple Ekafli, parce que comme vous avez pu le voir directement dans le titre de la vidéo, le but ce sera un build Ekafli. Donc du coup les gars, votre mission actuellement ce serait que là vous allez mettre votre meilleur pouce bleu ainsi que votre meilleur abonnement, ça c'est vraiment la base. Mais n'hésitez pas aussi à partager par exemple à vos potes qui connaissent pas du tout YouTube ou encore qui connaissent pas Wakfu ou qui veut reprendre Wakfu mais qui sait pas trop quoi faire. N'hésitez pas aussi à mettre ma chaîne YouTube par exemple, certaines vidéos qui pourra potentiellement les aider. Et moi ça me fera vraiment plaisir de voir d'autres personnes qui découvrent le jeu et que je puisse quand même donner de mon savoir entre guillemets bien sûr, qui permettra de l'aider pour l'avenir et qui puisse évoluer de lui-même par la suite. Donc voilà, ce sera vraiment ça votre mission. Donc voilà, maintenant on va commencer tout de suite avec les aptitudes de notre cher ami Ekafli, que je vais jouer plutôt mono, mêlée ainsi que coup critique. Donc du coup en intelligent j'ai plutôt opté pour full résistance élémentaire, la base, ainsi que full point de vie. Ensuite en fort j'ai plutôt opté pour la full maîtrise mono cible ainsi que full maîtrise mêlée. Et après j'ai rajouté de la maîtrise élémentaire, un peu la base aussi pour une classe mono mêlée. Ensuite en agilité j'ai plutôt opté pour full esquive. Vous pouvez jouer par exemple full volonté, full tacle, ou encore tout simplement full esquive et full volonté, ou encore full initiative pour pouvoir jouer en premier. J'ai plutôt opté pour l'esquive tout simplement, comme ça ça m'évite d'utiliser certains sorts élémentaires qui permettent de me déplacer ou de détacler un ennemi et de pouvoir avoir directement son dos. Directement au niveau de la chance, j'ai plutôt opté pour full coup critique ainsi que full maîtrise critique. Et en majeur, j'ai plutôt opté pour PAPM, la base de la base pour toutes les classes, ainsi que résistance élémentaire. Et j'ai rajouté dégâts finaux, tout simplement pour que votre Ekafli tape très fort. Ensuite, on peut parler directement au niveau de son deck de sort et ainsi que ses passifs. Tout d'abord, j'ai plutôt pris un deck de sort pour un Ekafli qui se penche surtout en eau et terre. Bien évidemment, vous pouvez jouer par exemple votre Ekafli feu et eau ou tout simplement feu-terre. Ça c'est comme vous voulez, moi j'ai pris hauteur parce que je kiffe vraiment ces deux éléments. Mais pour le deck élémentaire, pour les sorts élémentaires, c'est vous qui en décidez. Au niveau des passifs, j'ai plutôt pris Félin Suprême tout simplement parce que ça permet de gagner de la maîtrise mêlée en plus. Mais la particularité avec ce passif, c'est que bon du félin, de 2 PA ça réduit à 1 PA. C'est uniquement très important pour le placement qui permet de, par exemple votre Ekafli de venir dans votre team ou encore tout simplement de prendre le dos de l'adversaire. Bref, c'est vraiment une pépite. Ensuite, en deuxième passif, j'ai plutôt pris Précision Ekafli tout simplement parce que ça permet de gagner un coup critique. Et la particularité aussi, c'est qu'une fois que vous faites énormément de coups critiques avec votre Ekafli, à un moment donné, vous aurez un espèce de sort qui va permettre de, au prochain sort que vous allez faire en coup critique, de taper énormément de dégâts. Ça, c'est vraiment très cool. Ensuite, en troisième passif, j'ai Bas les pattes, qui est un très bon passif déjà au niveau de vos invocations, c'est-à-dire les chachas. Et la particularité, déjà, ça permet de gagner 25% en parade, qui est énorme en soi. Mais en plus de ça, une fois que vous allez taper, par exemple, vos sorts terre et que vous avez vos chachas avec vous, ça vous gagne quand même des pourcentages de PDV volés. C'est-à-dire que quand vous allez taper, par exemple, avec 3 cartes ou tout simplement tout rien, et que vous avez votre chacha avec vous, vous allez gagner des points de vie en plus. Ce sera un petit peu un mini soin. Bon, c'est pas non plus ouf, mais c'est mieux que rien, quoi. Ensuite, en quatrième passif, j'ai plutôt pris Ekafli tout simplement parce que Ekafli, quand vous allez utiliser vos sorts feu, vous allez avoir un passif qui s'appelle Veine. Ce passif en fait, quand vous allez taper vos sorts feu, ça va monter de plus en plus. Pareil, chaque tour ça montera de plus en plus, atteint jusqu'au niveau 42. 42 c'est le niveau max, après ça retombe à 0. Et la particularité c'est que plus votre Veine augmente, plus vous allez gagner en coup critique et plus vous allez gagner en maîtrise élémentaire. Et aussi avec par exemple Lacération, votre sort haut à 3 PA, quand vous allez l'utiliser avec Veine, plus Veine sera augmenté, plus l'aspiration sera important, parce que l'aspiration, pour faire simple, vous allez gagner énormément de résistance, et ça c'est vraiment très cool. Donc du coup, c'est énormément un très bon passif pour les Ekafli. Ensuite, pour le cinquième passif, j'ai le tarot Ekafli, tout simplement parce que ça te permet de gagner plus de 20% de dégâts infligés si par exemple vous avez une bonne carte, et ça peu importe la carte, que ça soit une carte qui vous donne 2 PA, que ce soit une carte qui vous donne des coups critiques,
mais parfois, des fois, si vous êtes malchanceux, vous avez des vieilles cartes, style Chacha Noir, qui permet de réduire de ouf vos dégâts, ou tout simplement Chacha Crifice, qui permet de vous infliger des dégâts sur votre Ika Fleet. Donc du coup, soyez vraiment très chanceux pour votre Ika. Et du coup, pour le sixième passif, c'est Carnage, qui permet de gagner en dégâts. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser, par exemple, si vous voulez jouer votre Ika Fleet plutôt soin. Je peux vous recommander, par exemple, de jouer Pucerie, ou tout simplement de jouer Fascination, comme sixième passif. Maintenant, on va passer directement au niveau de son équipement. Déjà, au niveau de la coiffe, j'ai pris le chapeau Lémic. Et avant de continuer pour les équipements, n'oubliez pas que c'est un build, c'est vraiment un build 3 chasse hein, pour le coup. Et c'est pas un build 4 chasse. C'est vraiment qui permettra d'aider énormément de personnes qui galèrent déjà à se faire des kamas. Et surtout qui galèrent à faire un seul ultra opti. Donc du coup, c'est du 3 chasse avec des items pas non plus les mieux. C'est pas les plus chers, mais c'est vraiment un build assez correct. Donc du coup, j'ai le chapeau Lémic, 3 chasses avec une chasse rouge qui permet d'avoir 60 maîtrise mêlée et 2 chasses bleues qui permet d'avoir 25 résistance au x2 et comme sublimation, j'ai embuscade. Ensuite, au niveau de l'amulette, j'ai le collier Ratique où j'ai une chasse bleue qui permet d'avoir 25 résistance terre et 2 chasses rouges qui permet d'avoir 25 résistance terre x2 et j'ai pas de sublimation. Ensuite, au niveau du plastron, j'ai le Géode. Plastron avec une chasse verte qui permet d'avoir 50 résistance feu. Ensuite, 2 chasses rouges qui permet d'avoir 50 résistance terre x2. Et une chasse bleue qui permet d'avoir 50 résistance air. Et comme sublimation, j'ai Frénésie 3. Ensuite, comme épique, j'ai le Tramontano qui permet d'avoir 2 chasses vertes qui permet d'avoir 25 résistance feu. Et une chasse bleue qui permet d'avoir 25 résistance eau. Et comme sublimation, j'ai Influence 1. Ensuite, comme relique, j'ai plutôt les bottes répanées, des très bons bottes, où j'ai 3 chasses rouges dans 2 chasses rouges qui permet d'avoir 60 maîtrise mono cible x2 et une chasse rouge qui permet d'avoir 50 résistance terre. J'ai pas de sublimation. Ensuite, au niveau de la cape, j'ai la cape Anache qui permet d'avoir 2 chasses rouges qui me donnent 60 maîtrise mêlée x2 ainsi que une chasse bleue qui permet d'avoir 50 résistance air. J'ai pas de sublimation. Ensuite, au niveau des épaulettes, j'ai les poulettes où j'ai 2 chasses rouges qui permet d'avoir 60 maîtrise critique x2 ainsi que une chasse bleu qui permet d'avoir 50 résistance haut et comme sublimation j'ai influence 1. Ensuite au niveau de la ceinture fléopard où j'ai 2 chasses bleues qui me permet d'avoir 1 25 résistance haut et 1 et 25 résistance air et une chasse rouge qui permet d'avoir 25 résistance terre. J'ai pas de sublimation. À la limite je pourrais mettre comme sublimation embuscade 1 aussi parce que j'ai parfaitement les chasses. Ensuite au niveau de l'anneau j'ai plutôt opté pour le Gondor où j'ai 2 chasses vert où j'ai 25 résistance feu x2 et une chasse bleue où j'ai 25 résistance air et comme sublimation j'ai ténacité. Bien évidemment ténacité c'est pas obligé pour ce build donc voilà. Ensuite au niveau des dagues j'ai les crocs qui permettent à la fois d'avoir de la maîtrise critique ainsi que des bons dégâts et surtout des coups critiques. Ensuite au niveau de l'arbre à une main j'ai le bois du tigre où j'ai 2 chasses vert qui me permet d'avoir 60 maîtrise critique x2, une chasse bleue qui permet d'avoir 25 résistance air, et comme sublimation j'ai influence 1. Au niveau de l'emblème, j'ai le fragment d'Ophus Ebène, qui est pas mal hein, pour les coups critiques, pour les dégâts, etc. Et surtout pour les dégâts mêlés. Et comme familier, j'ai le Minitar qui permet d'avoir 3 critiques, 60 maîtrise critique, ainsi que 30 maîtrise mêlée. Maintenant, au niveau de ses aptitudes, comme vous avez pu le voir directement à l'écran, c'est un Ika Fleet qui a quand même 75% de résistance haul, qui est énorme pour un build quand même 12-6. Ensuite, j'ai quand même 95 coups critiques, dont les 3 influence 1 qui permet d'avoir 15 coups critiques, plus j'ai rajouté dans le build mesuré, parce que j'ai 48% de parade. Donc du coup, mesuré, pour ceux qui savent pas, ça te permet de gagner plus 10% de coups critiques, qui vous permet d'avoir quand même 95. Bien évidemment, mesurer n'est pas obligatoire. Vous pouvez jouer quand même une autre épique style, par exemple précision, qui est vraiment énorme hein, si vous voulez pas jouer carnage, qui permettra de bien heal vos alliés, etc. C'est un build quand même qui a 95% de coups critiques, qui est énorme. Avec Ven, vous allez atteindre directement les 100%. Ensuite, je vais calculer un petit peu au niveau de sa maîtrise totale, c'est-à-dire 940 en maîtrise élémentaire plus 535 en maîtrise critique plus 1900 maîtrise mêlée et plus 580 en maîtrise mono cible et ça fait un total de 3955 de dégâts, quasiment du 4000 de dégâts pour un build assez low cost hein, pour le coup avec 3 chasses.
avec quand même pas mal de coups critiques et pas mal d'esquives ainsi que de tacles. Donc du coup les gars, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me faire part dans les commentaires de ce que vous avez pensé de cette vidéo ou du moins de ce build. Et moi je vous dis à une prochaine vidéo, ciao.